comme le soleil. C'est un voyou, un soldat. Quand il me serre contre lui, je voudrais fuir, mais je ne puis. Il est beau comme le soleil. C'est un voyou, un soldat. Eh bien, moi, en fait, c'est vraiment la réalisation d'un rêve à l'âge de 19 ans, ce que j'aurais jamais pensé de toute ma vie, parce que j'ai vraiment été bercée par ça durant mon enfance. Et c'est vraiment ma passion, en fait. C'est ce que j'aime faire aussi. Je suis comme un disque vinyle pas mal, en fait. Moi, j'aime beaucoup le côté théâtral, mais je fais aussi d'autres choses. Je peux faire mes compositions. Ils commencent à sonner plus folk, bizarrement, mais j'aime beaucoup, beaucoup de styles de musique. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup aussi. À la voix, j'ai rencontré une super personne qui s'appelle Stéphane Laporte. Et lorsque la production avait besoin d'un nouveau visage, eh bien, ils ont demandé à Stéphane qui a donné mon nom, en fait. Et sans me le dire, parce que j'ai reçu l'audition par Messenger. Et à ce moment-là, tu sais, t'en reçois plein des invitations comme ça. Et tu me demandes vraiment si c'est la vérité, parce que je me disais qu'à cet âge-là, je pouvais pas avoir la chance de réaliser mon rêve. Fait que c'est quand je suis vraiment allée à l'audition que finalement j'ai su que c'était Stéphane. Et maintenant, il a changé ma vie, pas seulement juste une fois, mais deux fois, à la voix et en me donnant la chance de faire Notre-Dame de Paris. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Est celui qui lui jettera la première pierre, celui-là numérique. Zimondo m'a donné une sensibilité différente, m'a appris beaucoup musicalement, parce que c'est un rôle qui m'a toujours demandé de passer mes limites, de donner quelque chose de plus à chaque fois. Et du coup, je peux dire que Quasimodo m'a appris la générosité. Il y a des tout petits changements, des détails qui se rafraîchissent à chaque fois. Il y a des changements de décor, mais c'est vraiment presque rien. Il faut vraiment connaître le show dans les détails pour s'en apercevoir. Il y a une nouvelle création de costumes qui est toujours inspirée à l'ancienne, mais l'intégrité du spectacle est toujours la même.